Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série que je viens d'entamer il n'y a pas longtemps sur la découverte des oracles et des tarots. Donc, le but à chaque fois dans ces vidéos, c'est de vous présenter un oracle ou un tarot que j'ai en ma possession, le découvrir ensemble. Donc, à chaque fois, ça sera vraiment une présentation rapide hein, que j'essaierai de faire au début. Et ensuite, bien sûr, on fera un tirage avec chacun de ces jeux. Donc, je vous le dis tout de suite, ceux qui peut-être n'ont pas le temps ou ne sont pas forcément intéressés pour juste découvrir cet oracle, je vous invite à aller voir en bas de cette vidéo. Vous trouverez les timings correspondant à la sélection et au tirage en question pour aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, sinon, très simplement, le jeu qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Everyday Witch Oracle, voilà, de Deborah Bleck. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est un jeu très coloré avec l'univers des sorcières, du monde des sorcières. Donc, c'est ce que j'aime particulièrement dans le jeu. Des cartes qui sont assez riches quand même en informations. Il peut y avoir tout un tas de symboliques. Enfin, voilà, je trouve que à la fois ces couleurs vives et les illustrations sont riches, voilà, tout simplement. Donc j'aime beaucoup. Donc je vous montre juste quelques cartes comme ça. Voilà. Donc si vous voulez vous familiariser avec le jeu, de façon, on va le voir avec le tirage. Et on a aussi un petit livret. Alors, c'est vrai que le jeu est en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français. Faut vous renseigner. Je l'ai pas fait avant la vidéo, mais je crois que vous pouvez trouver le jeu traduit en français. Donc, on a un petit livret assez simple que j'ai feuilleté, mais en même temps assez direct aussi. Voilà, c'est pas tout un tas d'explications bizarres. C'est pas rébarbatif. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Tout simplement, comment il se compose, ce jeu. Il est divisé en quatre parties qui correspondent en fait aux quatre éléments. Aux quatre éléments. Donc, on a le groupe de la Terre qui parle de grounding, donc c'est ancrage et des actions pratiques. Dans ce jeu, en tout cas, l'air qui est lié au domaine de la pensée et aussi de la communication, le feu qui est la créativité, pardon, et la passion, et l'eau, water, qui est les changements et les mouvements, donc les flux, je dirais, les flux de la vie et des événements de la vie. Voilà, donc assez sympa qu'ils aient fait ce jeu autour des quatre éléments. Je pense qu'il y a des rituels aussi, enfin on verra, peut-être que je vous montrerai un petit peu le livret, mais chaque carte, il peut y avoir des rituels associés. Que veut dire d'autre? Donc chaque groupe, il y a quatre groupes, et dans chacun de ces groupes, ils ont aussi numéroté en fait les cartes et attribué, on va dire, des notions de numérologie. Alors, à cet oracle. Alors, où est-ce qu'on voit ici? Ouais, dans Card Progress, vous avez par exemple, voilà, The Number 3, donc je vais faire très rapide la traduction, hein. Le nombre 3, donc pour eux, c'est toujours associé à ce qui est méditatif. Voilà, méditatif, tourner le regard vers l'intérieur, donc c'est aussi lié à la spiritualité. Voilà. Donc, on a des descriptions aussi des cartes, hein, bien sûr, de chaque carte, mais vous voyez, ça prend à peine une page. C'est assez précis, assez concis aussi. On a à chaque fois, pour la description des cartes, une action. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire comme conseil lié à la carte? Un point de vue divination aussi, donc plus prédictif si vous voulez, ou événementiel.
et Magic. Donc, vous voyez, ça peut être peut-être pour utiliser des rituels ou de la magie, tout simplement, comme les sorcières. Voilà, donc un jeu que je conseille, enfin que j'aime beaucoup moi personnellement, et que je trouve assez parlant. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tirage très simple. Alors, ouais, je crois que je l'ai vu au début, donc on va faire un tirage en une carte. Un tirage en une carte. Donc là, je vais vous demander votre attention, tout simplement. Tirage en une carte pour avoir un message de vos guides. Voilà, un message qui vous soit adressé personnellement. Un conseil peut-être sur ce que vous pouvez faire actuellement, sur ce quoi vous pouvez travailler ou sur ce qu'on vous invite à focus. Hein, voilà. Donc, une guidance conseil. On peut faire aussi comme ça, c'est aussi simple. Alors, ça va être un tirage à choix. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien devant vous et c'est normal. Donc, je vais simplement vous inviter quelques instants à prendre ce temps pour vous et aussi pour qu'on puisse faire la sélection, que vous puissiez trouver le choix qui vous correspond avec le message qui vous correspond vraiment. Donc vous pouvez fermer les yeux. Respirez bien profondément. Vous revenez à vous, vers vous, à l'intérieur. Voilà, tranquillement, en toute détente. Et on va simplement ensemble poser l'intention de recevoir un message, une guidance de vos guides spirituels, vos guides qui vous accompagnent à chaque instant. Un message peut-être pour vous donner une direction, pour vous donner des pistes. Pour développer une idée chez vous, pour travailler ou vous aider dans votre travail personnel. Donc vous vous posez bien avec cette intention. Et tout simplement, vous allez me donner un chiffre, le premier qui vous vient, entre 1 et 5. Voilà. Le premier qui vient spontanément, c'est le bon, sans réfléchir, entre 1 et 5. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire le choix conscient. Voilà. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous tromper. Ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, entre 1 et 5, on se retrouve tout de suite. Alors, voici le tirage que j'ai effectué. Donc, on a dit une carte pour répondre à votre question, pour avoir à votre message. On aura ici le choix 1, le choix 2, le choix 3, 4 et 5. Et de toute façon, en bas de la vidéo, je vais mettre les timings correspondants. Voilà, donc eh ben, profitez bien, soyez à l'écoute, laissez-vous porter, et puis voilà, que ces messages puissent vous servir. Concrètement et vous aider dans votre épanouissement. Alors, je vais commencer avec le tas numéro 1. Pour vous qui avez choisi le choix 1, donc quel est le message là, maintenant, de vos guides? Ce sur quoi ils veulent attirer votre attention. Alors, vous avez Change and Progress. Ok. Donc ici, il est question de changement pour vous, de nouveauté, vous voyez, j'ai ma langue à fourcher, et de voguer vers une nouvelle destination. Cette nouvelle destination, bien sûr, vous savez comment ça fait écho. Pour certains, il va s'agir de professionnel, de changement professionnel. Pour certains, ça pourrait être par exemple un déménagement, ça peut être tout un tas de choses dans le concret. Je ne vais pas vous parler des énergies dans le concret, je vais vous parler des énergies justement sur le plan invisible, donc ce que je ressens. Donc, change and progress, tout simplement,
On vous invite à vous centrer, à vous concentrer sur les changements que vous voulez opérer dans votre vie, sur peut-être les signes déjà que vous avez sur votre route qui vous indiquent que ce changement est en train de se produire et a lieu. Pour moi, on est sur une énergie dans le présent, enfin, si vous voulez, pas, quasiment palpable. Moi, je la palpe quasiment là. Ou alors c'est très prochainement pour vous. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous avez fait le plus difficile. Vous avez fait le plus difficile, peut-être justement que ces dernières semaines ou ces derniers mois ont été assez tortueux, tourmentés pour vous, qu'il y a eu des hauts, des bas, des vagues d'émotions. Voilà, tout un tas de choses à gérer, c'est possible pour beaucoup qui ont pris ce tas-là. Mais justement, change and progress, voyez-moi, je vois comme l'image de la roue de fortune, c'est-à-dire que un changement est en train de s'opérer. Vous êtes en train de changer de cycle et de changer d'état. Alors, quel serait le conseil? Bah, tout simplement, j'ai envie de dire suivre le flot. Hein, voyez, on voit ce personnage-là qui est sur une sorte de petit radeau. Et quand on est sur la rivière, bah, on ne peut pas aller forcément où on veut. En l'occurrence, surtout sur ce chemin-là, peut-être qui symbolise votre chemin personnel, hein, et ce que vous avez vécu notamment. Et voilà, il faut suivre le courant en fait. On ne peut pas aller à contre-courant. Hein. C'est aussi ça le message pour vous. Il n'est pas question là de faire machine arrière ou de repenser au passé. Il est question d'aller droit devant vous vers l'avenir et vers l'avenir que vous souhaitez, que vous voulez. Hein, on a un personnage enjoué ici. Avec cette carte, je ressens une certaine réussite. Donc encore une fois, toute proche, hein, tout comme une réussite ou un accomplissement, une fierté aussi, une fierté. Peut-être de la manière dans laquelle vous avez traversé ces énergies, c'est possible. Et je parle d'une fierté vraiment ici personnelle. Et vous pourrez et vous pouvez d'ores et déjà être fier de vous. Donc, ce que j'entends très concrètement, voilà, c'est le plus dur est passé. Le plus dur est passé. Maintenant, les choses vont pouvoir donc changer, vont pouvoir évoluer et progresser. On a change and progress. Hein. On le voit aussi ici. Regardez, on passe d'une eau très tumultueuse là à presque un. C'est bizarre, regardez. Hein, comme un chemin, je ne sais pas, de lumière. C'est fou cette carte. Ouais, un chemin lumière. Donc, je ne sais pas ce que ça peut symboliser pour vous. Mais ce que ça symbolise pour moi ici, c'est vraiment l'idée d'un avant et d'un après, et d'aller vers du mieux, d'aller vers plus de lumière, vers quelque chose de plus tranquille aussi, hein, au niveau des énergies et de comment ça peut bouger pour vous. Ok. Alors, c'était un petit message tout simple. On va voir, je vais regarder éventuellement dans le livret. Bon, c'est en anglais, alors je ne vais pas vous faire la traduction à chaque fois. Je vais peut-être dire certaines choses suivant ce qui me vient. Alors, ici, on est sur l'eau. Et on est sur le numéro 4, en fait. C'est le numéro 4. 82. Comme ça, vous pourrez voir aussi. Donc, on est là-dessus. Donc, j'ai essayé de le mettre comme ça. Moi, je lis. Dans ma tête, et puis s'il y a des choses, enfin voilà, vous pouvez mettre sur pause, hein, de toute façon, pour voir comment ça correspond. Si vous voulez traduire aussi, hein, vous mettez ça sur Google ou quoi, et vous pouvez faire la traduction facilement. Alors, ok, donc au niveau des actions, tout simplement, on vous dit que il n'y a pas de peur à avoir, en fait. Il n'y a pas de peur à avoir face au changement. Hein? Pourtant, c'est vrai que tout changement, on peut l'aborder avec une certaine peur, parce que forcément, un changement, ça veut dire aller vers quelque chose de nouveau, aller vers l'inconnu. Mais ce qu'on vous rappelle aussi avec cette carte, c'est que tout progrès est lié au changement. Hein? Quand on y réfléchit, la notion de progrès, de progression ou d'évolution, ça passe forcément par la notion de changement. Donc je pense que peut-être méditer sur ça ou alors prendre conscience de ce fait,
de cette réalité-là. Donc vraiment, ouais, en fait, je me rends compte que c'est plus pour vous, c'est-à-dire que si vous voulez le lire, si vous parlez un peu anglais, vous voulez le traduire, parce que je vais me contenter, moi, et surtout me satisfaire, non pas parce que je suis flemmard, mais parce que je pense que je préfère me faire simplement confiance sur mon intuition par rapport au message que je vous ai transmis. Et ça va arriver comme un compliment pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Et voilà la suite. Donc, comme je vous ai dit, mettez sur pause si vous voulez regarder le message. Voilà, donc prêtez attention aussi aux signes. Suivez tout simplement le flow. Laissez-vous porter en fait. Laissez-vous porter et n'ayez pas peur du changement. Voilà, parce que ce sont des changements positifs qui arrivent pour vous. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker, partager, voilà tout ce que vous souhaitez. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Salut. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, donc quel est le message de vos guides dans l'instant présent? Sur quoi ils veulent attirer votre attention? Vous avez hibernation, enfin hibernation, je ne sais pas comment on dit en anglais, hibernation, ouais, and regeneration. Ok. Alors, là, très simplement, hein, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de prendre du repos. Du repos, déjà pour recharger vos énergies physiques. On est vraiment sur la sphère physique, donc corporelle aussi, c'est vrai. Mais pas que. On est aussi, parce que je vois tous ces cristaux, donc on est aussi sur l'énergie en tant que telle, donc peut-être l'énergie spirituelle, votre énergie psychique. Ça peut être à plusieurs niveaux, hein. Donc voyez-vous comment. De toute façon, vous devez ressentir en fait cette fatigue donc émotionnelle ou psychique ou physique. Donc là, c'est vraiment important, je pense, d'écouter ce message et tout simplement. C'est pas pour vous alerter que quelque chose va mal, hein. Pour moi, tout va bien pour vous, je tiens à vous le dire. Mais juste, c'est un besoin en fait, un besoin qui s'exprime ici, hein. Le besoin, vous voyez, on voit cette personnage qui est comme une caverne. Là, je suis attiré par les racines, donc de vous ancrer, de vous enraciner, pour pouvoir vous recharger aussi en énergie. Vous pouvez faire appel aux cristaux, notamment, pour vous aider. Donc pour certains ici, vous pouvez utiliser, si vous savez faire déjà, ou sinon vous pouvez vous renseigner sur la régénération pardon, énergétique. Parce que je sens ici que on ne vous dit pas juste, bon, allez vous coucher, vous voyez. Pour certains, bien sûr, ça passe par un repos comme ça, une régénération telle que le sommeil. Hein, ça, y a pas, enfin, c'est même sûr hein, que ça aidera tous ceux qui regardent ce tas. Et pour d'autres, il y a même des pratiques un peu ésotériques, ou avec la lithothérapie, ou alors avec la méditation, par exemple, sur l'ancrage. Voilà, tout ce qui est lié, en tout cas, vraiment à la nature. Hein. Ici, on est en plein dans la nature. Donc, c'est vrai que c'est un message assez simple. Je ne vais pas vous faire tout un tas de blabla dessus. Par contre, ce que je peux faire, c'est simplement, je vais vous montrer le livret. Peut-être qu'il y aura des informations complémentaires pour vous. Je ne vais pas le lire parce qu'en plus, c'est en anglais. Donc, je pourrais, mais ça me prendrait encore plus de temps de traduire. Donc, tout simplement, alors, attendez, je vais trouver ça. Alors, on est sur l'élément terre, je pense. Hibernation and Regeneration. Ouais, le 23. Enfin, page 23, pardon. Ok, donc en fait, vous pouvez mettre sur pause. Vous pouvez, par exemple, mettre sur Google la traduction. Hein. Je sais que ça peut être long et fastidieux pour certains. Mais si vous voulez des renseignements complémentaires à ce que je vous ai transmis en intuitif, vous pourrez en trouver ici. Notamment au niveau des actions, quel est le conseil, peut-être l'action à mettre en place avec la carte que vous avez tirée. Hein, take a snap, meditate, or simply curl up someplace quiet with a good book. Vous voyez, ça veut dire que vous pouvez
le faire de plein de manières différentes, take a nap, prendre une pause, je ne sais pas, ça peut être prendre une douche, méditer, vous voyez, ou simplement vous poser dans un endroit paisible avec un livre que vous aimez, vous voyez, c'est symbolique ici, mais il y a besoin de recharger votre énergie et de forcément de faire une pause. Quand on est en sommeil, on n'est pas dans l'action, hein. Pour vous, il n'est pas conseillé d'agir tout de suite. Ni forcément de penser d'ailleurs, hein. Ni de penser. Là aussi, ça serait une action. Voilà. Donc là, on a le conseil au niveau des actions. Là, on a la partie divinatoire, si ça vous intéresse. Voilà. Comme j'ai dit, mettez sur pause s'il faut. Et voilà, le message se termine ici avec la magie ou le rituel peut-être que vous pouvez mettre en place. Voilà, donc bon, écoutez, c'était vraiment juste un message assez court, mais assez direct aussi, assez simple, à vous d'en faire ce que vous souhaitez. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à partager, à liker, un petit pouce, ça fait toujours vraiment plaisir et c'est important pour la chaîne aussi. Donc, merci à vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors, pour vous, mes amis, qui avez choisi le tas numéro 3. Donc, on va découvrir tout de suite le message de vos guides, sur quoi ils veulent attirer votre attention particulièrement. Alors, je vais boire un coup avant. Ok. Alors, vous avez Learn from Life. Ok. Très belle carte, très beau message aussi. Alors, tout simplement, c'est le moment pour vous de découvrir, d'étudier, de vous. En fait, il doit y avoir au fond de vous actuellement l'envie de découvrir de nouvelles choses, de vous intéresser à telle ou telle pratique, de éventuellement vous poser peut-être la question, est-ce que je devrais suivre cette formation? Découvrir ce domaine d'études, peu importe, mais ici, vous voyez, il y a tous les livres, on parle de learn, donc apprendre. Il est question vraiment d'apprendre, pour certains. Donc, c'est le moment, en effet, de travailler, parce qu'il y aura je le sens, du travail derrière, mais c'est pour acquérir pour vous de nouvelles compétences, peut-être pour développer aussi vos dons, en fait, vos dons, ou plutôt, je préférerais dire, en étant honnête avec moi-même, vos capacités personnelles. Voilà. Il y a des choses à développer, des choses à découvrir, tout simplement. Et c'est le moment, vos guides vous encouragent sur cette voie de l'aventure aussi. Et alors, il est possible que on vous tende la main, c'est-à-dire que dans les prochains jours, éventuellement, il y ait une proposition qui vous soit faite justement pour découvrir quelque chose. Voilà, ça peut venir de l'extérieur, hein. C'est pas forcément un appel intérieur. Il peut y avoir en fait, pardon, excusez-moi. Vos guides, on me dit, vont mettre pour certains sur votre route des personnes ou des rencontres qui seront comme des opportunités. Voilà, des opportunités que vous pourrez saisir ou pas. Mais là, ce message, il est là pour que vous soyez encore plus attentif à ça. Hein. Et on a Learn from Life. Donc ça veut dire aussi que pour certains, on vous invite justement à quelque part quitter les livres, quitter le monde de la théorie, peut-être parce que vous êtes prêt en fait. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment prêt maintenant à mettre en application. Donc je ressens les deux côtés en fait. Les deux énergies avec cette carte, ceux qu'on encourage vraiment justement à étudier, à travailler sur eux-mêmes peut-être, à se renseigner avec toutes les sources possibles, et notamment vous voyez avec Internet, avec tout ce qu'il y a là en l'occurrence, vous voyez sur la vidéo que vous êtes YouTube, bon, eh bien il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. Non pas parce que moi j'enseigne, moi je partage. Mais il y a quand même des choses à apprendre, voilà, à apprendre, donc apprendre pour soi, voilà. Et donc l'autre énergie, c'est ceux qui ont déjà fait tout ce travail, hein. Maintenant, en fait, osez vous aventurer, osez vivre vos propres expériences aussi, pour que ces connaissances que vous avez acquises dernièrement, votre évolution personnelle et spirituelle,
eh bien, vous la goûtiez vraiment. En fait, j'ai ce sentiment-là, ce sens qui s'anime là chez moi. Donc, goûter la vie, hein, vraiment, en pleine conscience, en fait. Voilà. Faites la pleine conscience de l'expérience de la vie pour vous faire vos véritables expériences et richesses personnelles. Voilà. Alors, c'était un message assez court. Je vais quand même vous donner un complément. Alors, je vais regarder le petit livret. C'est en anglais, mais bon, vous savez, vous pouvez aller sur Google, vous mettez traduction. Voilà. Ou alors, si vous parlez un petit peu anglais, ce ne sont pas des mots trop compliqués. Alors, on est. On est ici. Learn from life. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour bien prendre connaissance de tout ce texte, le traduire, comme je l'ai dit, si besoin. Oui, moi je vais me centrer uniquement sur mon interprétation du moment, sur ce que j'ai ressenti, ce que je vous ai livré comme message en direct, en intuitif. Et peut-être qu'ici, voilà, vous trouverez des compléments d'information, d'accord? Notamment au niveau de l'action, donc qu'est-ce que vous pouvez faire dans le concret, lié à cette carte comme conseil, au niveau divinatoire aussi, au niveau divinatoire et au niveau magique, donc c'est-à-dire au niveau du rituel éventuellement ou de l'exercice que vous pouvez essayer de mettre en place. Voilà. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, les amis. Un petit like, un petit commentaire, voilà, on partage tous ensemble. Donc, feel free, sentez-vous libre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 4, les amis. Donc, on va découvrir le message maintenant de vos guides, ce sur quoi ils veulent attirer votre attention. Alors, vous avez inspiration and courage. D'accord. Alors, c'est une énergie plus intense que je ressens pour vous. Alors, intense, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est comme ça que je le perçois. J'ai plusieurs messages. Alors, tout d'abord, là, ce que vos guides veulent vous dire, c'est de vous reconnecter à vous-même. Hein, à vous-même ou aussi à vos guides éventuellement, ou même à des entités, donc par exemple déesse, par exemple, je sais pas, une personne aussi de votre famille, un défunt possiblement. Voilà, en fait, juste besoin de connecter, c'est ce que j'entends, connecter avec, donc comme je vous dis, avec une partie de vous, avec votre cœur. Possiblement avec votre âme, il s'agit vraiment de ça. Et pour d'autres, on vous invite aussi à élargir cette connexion, si vous le souhaitez, avec des plans supérieurs, ou en tout cas avec le monde de l'invisible. Donc, guide, ange, archange, famille d'âme, défunt, enfin voilà, ce que vous voulez. Parce que c'est important là que vous retrouviez, vous avez besoin de, donc d'aller chercher l'inspiration au fond de vous. L'inspiration, ça peut être une motivation, ça peut être une réponse aussi que vous attendez, une réponse peut-être justement que vous avez formulée à l'univers. Mais là, on vous dit que vous avez la capacité d'obtenir ces réponses, hein. C'est le bon moment, mais peut-être que vous ne le faisiez pas de la bonne manière. Là, ici, il s'agit vraiment de le faire en fait avec l'intention du cœur, quel que soit le moyen que vous utilisez. Ce que je ressens pour beaucoup, c'est qu'on vous invite justement à quelque part utiliser votre magie ou vos pensées, la pensée magique, et notamment en fait en vous mettant dans un certain contexte. Alors, on va prendre l'exemple de la carte, justement. Vous voyez, là, il y a des bougies, il y a une table ronde avec une espèce de boule de cristal, du violet. Voilà, il y a tout un tas de choses, il y a une atmosphère, vous voyez. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit là, c'est important que vous créiez une atmosphère autour de vous, une atmosphère empreinte d'énergie,
de spiritualité. Enfin, voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on n'est pas sur. Enfin, bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous créez une atmosphère et peut-être ritualiser certaines choses. Si par exemple vous voulez entrer en méditation, eh bien mettez-vous des bougies autour de vous, créez-vous un cadre en fait, un cadre, une structure, déjà pour vous sécuriser. Pour beaucoup, je sens un sentiment d'insécurité. Alors je ne sais pas à quoi c'est lié, peut-être parce que justement vous vous ouvrez, vous découvrez certaines choses, certaines énergies. Pour certains, il y a vraiment une montée de, alors qu'est-ce, enfin, notamment de la clairvoyance, une montée de certains potentiels en fait. Il y a des potentiels qui sont présents, qui se manifestent peut-être pour vous, des nouvelles choses, et on vous dit en fait de ne pas avoir peur de tout ça, hein. De tout ce que vous percevez peut-être différemment maintenant, parce que je sens que pour vous, très clairement, il y a des choses qui s'ouvrent en vous, des canaux, voilà, comme des nouvelles dimensions en vous auxquelles vous allez avoir accès ou vous avez accès. Et c'est dans cette énergie-là, dans ces énergies, et encore une fois, qui sont véritablement en vous, pour beaucoup, vous n'avez pas à les chercher ailleurs. Vous les cherchez en vous, mais vous pouvez être aidé par l'extérieur, d'accord? Dans cet endroit, dans ce lieu, parce que je le ressens aussi comme un lieu, un espace, vous pouvez vraiment activer votre magie, matérialiser ce que vous voulez, changer ce que vous voulez aussi. Hein? C'est comme si c'était avoir accès à un monde presque illimité, en dehors justement de la limitation de la matière. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Peut-être que, enfin, tout est juste, donc c'est que ça doit résonner pour vous, certainement. Alors, je vais voir si j'ai d'autres choses. Donc, sur quoi vos guides veulent vous prêter attention? Donc, déjà, vraiment que. Voilà, vous pouvez avoir la foi en tout ce que, en tout ça. C'est-à-dire que oui, vos guides, ils sont véritablement là. Ils sont bien présents, vous voyez, peut-être matérialisés ici comme l'ombre derrière, hein. Vous pouvez peut-être sentir, moi j'ai ce sentiment que vous pouvez sentir des choses, hein, vos perceptions, vous voyez. Donc, je dirais le message principal que j'ai, c'est tout simplement, on vous dit, ouvrez-vous. Il y a des choses à découvrir, des choses qui se manifestent déjà, peut-être que vous pouvez déjà sentir, ou vous sentez en tout cas cet appel intérieur, et surtout n'ayez pas peur, ayez la foi. Regardez, cette dame, elle a les mains sur le cœur, elle est habillée en jaune, donc je dirais dans un habit de lumière, et elle a le sourire aux lèvres, vous voyez, elle est sereine. Donc peut-être, si vous voulez vous livrer à certaines pratiques aussi, quelles qu'elles soient, créez-vous une atmosphère, créez-vous un cadre qui vous correspond, que ce soit avec de la musique, que ce soit avec des bougies, de l'encens, en utilisant des outils, des boules de cristal, des tarots, des oracles, ce que vous voulez. En tout cas, vous avez clairement la capacité de connecter avec, des énergies non terrestres. Voilà. Alors, comme pour les autres, je vais juste vous montrer le petit message du livre. Je ne vais pas vous le traduire parce que c'est en anglais en plus. Vous pouvez aller sur Google par exemple et vous chercherez la traduction, mais c'est assez simple. C'est assez simple. Alors, voilà. On est ici. Inspiration and courage. Donc c'est avec le feu, c'est l'élément feu et c'est le numéro 4. Donc je vous laisse mettre sur pause, hein, on a là, et puis je vais tourner aussi, mettre sur pause si vous voulez noter. Et vous voyez, les compléments ici, c'est que vous pouvez avoir des compléments sur les actions à mettre en place avec le conseil de la carte. Vous avez le sens au niveau divinatoire. Et vous avez la magie, c'est-à-dire le petit rituel peut-être à mettre en place. Voilà. Donc, mettez sur pause
Et si vous le souhaitez, vous aurez des compléments d'information. Voilà. Moi, je me centre surtout sur ce que j'ai ressenti en intuitif pour vous et ce que j'ai eu comme message en canalisation. Mais en tout cas, n'hésitez pas vraiment à me faire un retour, à liker, à partager si vous le souhaitez. Voilà, ça m'aide beaucoup. Merci pour ça. Et je vous dis, bah, écoutez, à très bientôt, avec beaucoup de plaisir. Salut les amis. Alors, pour vous qui avez choisi le numéro 5 ici, donc quel est le message de vos guides maintenant? Ce sur quoi ils veulent attirer votre attention. Vous avez Meditation for Peace and Serenity. Bon, le message, je pense qu'il est clair, hein? Besoin d'entrer en méditation, de pratiquer la méditation. Alors, c'est vrai que ça peut être le conseil très pratique, très concret. Après la méditation, ça peut aussi être un état. Hein, un état, je veux dire, voilà, moi, enfin, oui, moi, mais ou d'autres personnes, on peut très bien méditer en faisant quelque chose. Hein. Méditer, c'est avoir le focus quand même sur soi, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ce qui se passe dans notre corps notamment. Vous voyez, on a ce personnage-là baigné dans l'océan. L'océan, l'eau ici, ça va représenter les émotions. Hein. Donc peut-être tout simplement Meditation for Peace and Serenity, donc la paix et de la sérénité, c'est ce qu'il faut que vous visiez, c'est l'objectif pour vous. Paix et sérénité peut-être au niveau émotionnel, particulièrement avec cette carte, parce qu'en plus on est sur l'élément eau. Voilà. Donc ça peut être parce que vous traversez une période un peu houleuse, vous voyez la mer elle n'est pas forcément calme ici, elle n'est pas forcément non plus agitée. Donc voilà, je ne vais pas non plus, comment dire, faire des plans sur la comète, sur ce que vous vivez, parce que enfin, vous vivez tous des choses différentes. Mais là, le message, il est assez simple, en fait, et assez direct, vous voyez. C'est pratiquer toutes sortes de méditations. Peu importe le comment, le but étant simplement d'arriver à la paix et la sérénité intérieure. Peu importe ce qui se passe autour, vous voyez. Peu importe ce qui se passe autour, vous êtes en paix, en harmonie. J'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, vous ressentez peut-être actuellement comme un poids. Un poids, une lourdeur. Si c'est le cas, en fait, tout simplement, c'est le poids, pour moi, de certaines émotions. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Un poids, une pression, une gêne ou des blocages, voyez, intérieurs, une lourdeur, voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et la méditation, justement, va vous aider à vous libérer. Hein. Il y a quelque chose à libérer pour vous, je ne sais pas ce que c'est. Libérer, peut-être à évacuer, à extérioriser, ça peut être éventuellement aussi en communiquant avec certaines personnes, des choses que vous avez à dire, des choses que vous avez sur le cœur. Évacuer, ça peut être aussi tout simplement accueillir et prendre conscience de ses émotions ou éventuellement de ses pensées, instaurer une sorte de dialogue avec vous-même pour amener de la paix, hein, pour cesser pour certains un conflit intérieur peut-être. Donc c'est vrai que là, il y a plusieurs choses que je ressens, donc ça balaye un certain panel. Mais le message, il n'est pas sur le qu'est-ce qui vous arrive, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire. Et le conseil, il est très simple. Voilà. Donc en complément, je vais quand même, comme les autres, vous mettre le livret, voir ce que le livret dit. Alors, Meditation. Ok. Alors, c'est en anglais, donc je vous invite. Moi, je vais vous le mettre. Voilà, Meditation for Peace and Serenity. Donc, on a les deux pages. Et ça vient jusque-là. Donc, je vais vous montrer. Je vous encourage simplement à mettre sur pause. Voilà, pour lire si vous avez des notions d'anglais. Ou éventuellement, vous savez, vous mettez la traduction sur Google de certaines choses que vous ne comprenez pas. Mais c'est de l'anglais assez simple. Oui, assez simple, on va dire. Voilà, donc
Je ne vais pas le traduire ici parce que j'aurai pas assez de temps. Mais mettez sur pause et c'est juste en complément parce que ce que je vous ai dit, c'est la première chose qui m'est venue. Donc c'est surtout ça qui est important. Et ici, il pourrait y avoir des compléments. Donc là, par exemple, sur les actions à mener, le conseil au niveau des actions, au niveau divinatoire, hein, au niveau divinatoire, le message ici, et au niveau magique, donc des rituels peut-être que vous pouvez mettre en place. Donc voilà, on a cette page-là. Et voilà. Donc j'espère que ça ira pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à partager, à liker si vous le souhaitez. Merci à vous en tout cas pour votre soutien. Merci pour votre présence tout simplement. Et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.